Salut! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en commandant depuis l'app Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser la batterie qui se situe à droite du compartiment moteur. Ne commence jamais par débrancher la borne plus, toute la voiture étant raccordée au moins. Cela risque de créer des étincelles dangereuses pour le réseau électrique de ta voiture. À l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10, commence donc par retirer la cosse négative de la batterie. Une fois retirée, écarte la cosse afin d'éviter une reconnexion intempestive de la batterie qui pourrait endommager le circuit électrique du véhicule. Ouvre le capot du coffret en plastique situé sur la cosse positive. À l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10, débloque l'écrou de la cosse positive. À l'aide d'un tournevis plat assez fin, fais levier délicatement sur les ergots de maintien de la platine fusible de la batterie afin de la désolidariser. Une fois libérée, positionne-la de manière à ce qu'elle ne te dérange pas pour la suite de la dépose. Avec un cliquet, une grande rallonge et une douille de 13, dépose le boulon et retire la plaque de maintien de la batterie. Retire la batterie. Ponce avec du papier de verre la platine de support des câbles de plus, ainsi que l'intérieur des cosses pour enlever la couche d'oxydation blanche et éviter à terme des pannes insidieuses. Remets en place la batterie et repose immédiatement la plaque de maintien. Positionne-la dans un premier temps à la main en revissant les premiers filets, puis termine en bloquant à l'aide du cliquet. Positionne correctement la platine en face de la borne positive de la batterie, puis reclipse-la en exerçant une pression vers le bas. Termine en bloquant la cosse positive à l'aide du cliquet. Enfin, referme le capot de protection de la cosse positive. Tu peux maintenant reposer la cosse négative. Maintiens-la bien enfoncée sur la borne et bloque-la à l'aide du cliquet. Opération terminée.